À leur tour, les musulmans se sont cotisés pour bâtir cette église. Nous aussi, musulmans bosniens, on voulait qu'ils aient leur propre lieu de prière. Chaque croyant doit avoir un endroit pour prier. Nous avons tous décidé qu'il fallait une église. Nos voisins serbes avaient donné de l'argent pour la mosquée. Pour cette église, les musulmans ont aussi mis la main à la poche, ou faute de mieux, prêter leurs bras. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les musulmans du village cachent les déserteurs serbes. En 1995, ce sont les Serbes qui protégeront les musulmans. Ça devrait figurer dans les livres d'histoire. On est comme des frères. Dès que la guerre a éclaté, ils sont venus à nous. On les a protégés. Personne ne pouvait les toucher. Ils ont fait pareil pour nous. On s'entend bien. Voici la fameuse mosquée. La seule de la République serbe qui n'a pas été détruite. Mais elle a été gravement endommagée. Mon voisin serbe m'a aidé à réparer le plancher et le mur. Quelques personnes ont essayé de le provoquer en lui disant qu'il allait se convertir à l'islam. Je lui ai dit que ce n'était rien, que si eux voulaient construire une église, je les aiderais si je pouvais, j'en serais fier.